Bonjour à tous. Cette année encore, pas de cérémonie des vœux. Nous vous présentons ceci sous le concept d'une vidéo. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Nous allons vous mettre en avant les actions phares qui se dérouleront sur cette année 2022. La rue de l'Herbe présente une chaussée dégradée, des vitesses excessives et des cheminements inadaptés. L'entrée du bourg vers Ancenis va faire l'objet d'un réaménagement avec création d'un rond-point, élaboration de plateaux piétonniers et d'un chaussidou. Nous en profiterons également pour effectuer un enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. La fin des travaux est prévue pour fin juin 2023. Les vestiaires du terrain de foot datent des années 90. Des équipements très obsolètes, la rénovation et l'agrandissement ont débuté en septembre et s'achèveront en avril 2022. Le projet prévoit la réhabilitation de 4 vestiaires existants, la construction de 2 nouveaux plus spacieux, ainsi que des locaux pour les arbitres et le rangement. La demande de logement en pays d'Ancenis est toujours très soutenue, et particulièrement à Riaillé. Les 13 lots du lotissement de Bel Air, sur lequel nous nous trouvons actuellement, ont tous trouvé propriétaire. Nous sommes sur le Vallon du Moulin. Bienvenue sur ce lotissement sur lequel nous venons d'obtenir le permis d'aménager. Cette surface de 2,50 hectares va nous permettre la construction de 43 logements. Une place conséquente a été volontairement laissée aux espaces verts. Bienvenue sur notre belle vallée de l'Herbe. Aïe ! La salle de la Riante Vallée vient de fêter ses 20 ans. Il nous a semblé nécessaire de lui faire un petit relooking. Nous allons refaire le bar d'âge-bois, une pergola. Les peintures intérieures vont être refaites et le bar va être réaménagé. Les travaux sont prévus durant le premier trimestre 2022. Afin d'améliorer la sécurité et le stationnement des voitures, nous avons repensé la circulation sur 5 rues. Top, top, top! Vous allez par là maintenant! Alors, il s'agit de la rue du Cèdre, la rue de la Mauvraie, la rue du Calvaire, la rue des Rochettes et la rue de l'Aigri. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison? Que 2022 vous apporte joie, bonheur, santé. Une année riche en partage et en amitié. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne année 2022. Sandrine, tu pourrais aller chercher le dossier sur les temps de la pauvreté. Ah, parfait, c'est exactement ça. Merci Sandrine.